En réalisant un secret sur Fortune Escape, vous avez la possibilité de débloquer un camouflage en récompense. Pour réaliser ce secret, vous allez devoir vous rendre en bas de la map, près du phare. À cet emplacement-là, vous avez la possibilité de trouver un jerrycan d'essence. Donc il faut savoir qu'il y a 6 emplacements possibles. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec les emplacements. Donc elles sont représentées par les petits logos en rouge. Quand vous avez réussi à l'obtenir, vous allez devoir monter tout en haut du phare. À cet emplacement-là, il y aura un petit générateur que vous allez devoir alimenter avec le bidon d'essence. Quand c'est fait, vous allez devoir interagir avec la grosse machine qui est juste à côté du générateur pour arrêter le phare au même moment que je le fais dans la vidéo. Alors très important, vous ne pouvez interagir que 2 fois avec le panneau de contrôle. Sinon, il faudra soit retrouver un bidon d'essence ou soit recommencer une partie pour réessayer. Quand vous avez réussi à bien placer le phare dans la bonne direction, vous allez devoir suivre la direction du phare jusqu'à la côte juste en face. À cet endroit-là, vous allez devoir trouver des jumelles d'observation et ensuite taper ces jumelles pour faire tomber un ver d'observation. Quand vous avez récupéré ce ver, vous allez devoir le placer dans un nid d'oiseau qui se trouve juste au-dessus du bâtiment sur une sortie d'aération. Ensuite, vous allez devoir répéter cette étape 3 fois à 3 emplacements différents. Donc pour vous aider à trouver les jumelles plus facilement, je vous affiche une map avec les emplacements. Donc les jumelles sont représentées par le logo vert et les nids d'oiseaux sont représentés par le logo bleu. Alors ensuite, quand vous avez récupéré le deuxième ver d'observation, vous vous rendez sur le toit du bâtiment qui se trouve juste à côté et vous placez ce ver dans le deuxième nid. Et pour finir, vous allez au troisième emplacement, vous récupérez le troisième ver des jumelles d'observation et vous vous rendez sur le toit du gros bâtiment qui est juste à côté pour placer le troisième ver d'observation dans le nid. À ce moment-là, vous aurez réussi à faire refléter la lumière du phare dans les 3 vers et vous aurez terminé le secret, ce qui vous débloquera le camouflage secret Crimson Wyrm. Et par la même occasion, vous allez déclencher un feu d'artifice dans la map avec une sorte d'aigle de feu qui explose juste à la fin.